Salut à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Donc nous allons continuer la suite de ce fameux jeu Winter Survivor, le prologue partie 2 et la dernière. Petite parenthèse, jeudi vidéo spéciale pour mes 1000 abonnés. Merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir. Je vous en dis pas plus et je vous dis à tout de suite pour le gameplay. D'accord. Et bah, la démo, en fait, on commençait à partir de là. D'accord. Alors, est-ce que ça a changé beaucoup? J'ai perdu mon équipement, des ressources de chaud, d'accord. Ah ouais. Ah ça c'est la démo, d'accord. Donc il y a des nouveautés, hein. Oula. Maintenant t'es pour. Faut que je passe par là. Hey. Oh, il était pas bien. Lui. Donc la dernière fois, on devait aller par la droite. Là, on continue. Oh, putain, bonjour. Ah ouais, mais qu'est-ce que je... Ah merde, par où je dois passer là? D'accord. Allez aux sources terminales. Et c'est par où le source terminale là? A few moments later. Ah, source d'eau chaude. Ah, ça va me rappeler quelque chose. Ah ouais, les mains. Ah bah oui, je me suis cassé la gueule, c'est vrai. Oh putain. Je crois qu'il va falloir que je cours. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Putain, tu cours pas vite par contre, hein. Décidément, je me casse souvent la gueule, hein. Concentré. Ah ouais, c'est comme dans la démo au début, c'était pareil. Ça c'est les illusions parce que quand t'as froid. Assez amélioré, hein. Franchement, on voit la différence, hein. Si vous voulez aller voir la démo, je vous n'hésitez pas à aller voir. Je récupère quoi? De l'ail de neige. Alors. Inspecter la hutte. Ok. C'est quoi ça? Ramasser les objets. Utiliser. Attel pour jambes. C'est quoi, bandage? D'accord. Terroir, hop. C'est quoi? Fibre.
Journal de l'aventurier. Lire. Oh, trop long. Ramasser. Fibre, fibre. Alors, maintenant, on va utiliser la telle. Alors, la telle, il est où la telle? Much better. Still, c'est bon. This cold is killing me. Ok, allumez le feu. Attends, on va ramasser le morceau de bois. Utiliser. Hop. Allumer. Joel, I hope you found Mike. Je peux pas le chercher maintenant. Je suis trop fatigué. Allez vous coucher. Attends, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Ok. Ah, tu peux récupérer maintenant. Avant, on pouvait pas faire ça. Avant, il n'y avait pas... Ah ouais, d'accord. Il n'y avait pas ça avant. La petite échelle. Ah, c'est bien, il les amollir. Même, il n'y avait pas le coffre. Coffre à bûcheron. Ah ouais. Tu peux... Ah ouais, d'accord, tu peux placer des objets et tout. C'est pas mal, ça. Ah, j'aime bien. Franchement, le jeu, il est vraiment cool. Allez, c'est parti, on va se coucher. Ça, il y avait pas ça, je me souviens. Ah ouais, tu peux dire... Ah ouais, d'accord, c'est toi qui peux... Ah non, d'accord. Je croyais que je pouvais régler mon sommeil en fait. C'est-à-dire mettre combien de temps je dors. Je suis en train de rêver là. Alors, tous les malus et les statistiques négatives affectées peuvent diminuer votre santé mentale. Quand votre esprit ou votre corps souffrent, un compte à rebours de santé mentale apparaît comme un cercle autour d'un malus ou d'une stat affectée, soit faim, énergie ou température. Si vous ne vous débarrassez pas du malus ou n'améliorez pas la statistique, le chronomètre autour de lui se vide. Le temps jusqu'à ce que cela produise dépend de la gravité de votre problème. Ah ouais, ça joue sur la... Ah ouais, c'est... Bah après je pense bien, hein. Si vous ne faites rien à propos de un, il s'épuisera chaque fois que cela se produit. Votre brain est affecté et votre sanity en souffre. Et cela continue jusqu'à ce que vous débarrassez du debuff ou que vous améliorez le négatif. Ah ouais, d'accord. Enfin, votre cerveau sera rempli à 100%. Cela signifie que votre cerveau ne peut pas prendre plus de 1. Et s'il manifeste un bien niveau symptôme, vous devrez le choisir la prochaine fois que vous iriez dormir. Ah ouais. Ah donc là, je choisis. Désorientation psychotique. Vous commencez à voir des choses qui ne sont pas là. Ah d'accord, des illusions. Certains sont abstraits et facilement à distinguer, mais d'autres ressemblent exactement à des parties de l'environnement. Cela vous embrouille et rend l'exploration plus difficile. Lorsque vous marchez, il est plus difficile de remarquer des hallucinations. Ah, c'est ça. Pour vous en débarrasser, vous devez les traverser ou les jeter ou leur jeter quelque chose. Lancer une pierre ou une boule de neige vous permettra de vérifier si ce que vous voyez est à une distance sûre. D'accord, des orientations psychiques, choisir. Vas-y. Vous pouvez sauvegarder votre partie lorsque vous interagissez avec des lits dans des abris, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, récupérez votre équipement. Qui est où? Ah ouais, c'est bon, on l'avait perdu. Alors, est-ce que j'ai besoin de... Oh, si, j'ai besoin de me réchauffer là. J'ai plus de bois. D'accord, c'est vrai, je suis con. Alors, allez, c'est parti, on y va. Bonjour.
C'est bon, je peux éteindre la lampe. Wow! Ah, c'est de la glissade, ça. Ah. Good. There you are. I should find fresh water. Although there is plenty of snow around here. Alors, trouvez un moyen d'atteindre à votre sac à dos, trouve de l'eau de source. Optionnel, ok. Je crois qu'il y a plus important. Voilà. Vas-y, on y va. Il y a de l'eau là-bas. What the hell's happening? Inventaire. Hop. Putain, je galère. Voilà, hop. On va boire un coup. Bah, je te donne à boire là. Voilà. On l'a rempli encore une dernière fois. Au moins, elle sera remplie. Ok. Du coup. Mais c'est ça que je comprends pas. Dis vos mains. Ok. Alors, maintenant, trouvez un moyen d'atteindre votre sac à dos. C'est parti, on y va. Ah, il y a des traces de pas. Putain, j'aime pas, attends. Il y a un truc que j'aime pas. Ah oui, d'accord. It just keeps getting worse. I hope the guys are okay. Oh, poulet de la forêt. D'accord. Attends, on va prendre. Ah, c'est mieux. Ok, donc là on va essayer de récupérer des trucs là. Hop. Champignons. Ah, il y a des passes de traces de trucs aussi. Ok, on y va, on continue. Oh! Une tente ici. Oh! Oh non, d'accord. Ok, on suit les pas, on suit les pas. Allez, on continue. Is it possible someone's still in there? Ce qu'on va faire, on va aller chercher notre fameux sac à dos là. D'accord. Donc on va descendre par là, tranquillement.
On va éviter de se blesser. Hop là. Better be Voilà. careful. Ah. Alors, suivez les pistes. Entrez dans la cave. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux manger? J'ai de quoi manger là? Non, j'ai rien pour manger pour le moment. Est-ce que je peux fabriquer... Merde. Je peux fabriquer... Oh putain. Je peux fabriquer des trucs aussi, non? C'est quoi ça? Une façon de traiter des herbes hautes et de créer des fibres. Bon, enfin bref. Allez, on continue l'aventure. C'est parti. On va se réchauffer un peu. Température monte. C'est bon. Ok. Il y a des traces de pas. Apparemment, il a dû se faire poursuivre par l'ours là. Oh, un petit lapin. Allez, continue. Oh. Je dois trouver une solution. Quelle solution? C'est-à-dire trouver un moyen de découvrez. Oh. Alors, récupère, récupère, récupère. On récupère tout, hein. Alors. Bien évidemment, je peux pas. Attends. Est-ce que je peux sauter comme ça? Bien sûr. Alors, il faut que je trouve un moyen de sortir. Ok. Alors, comment on va sortir? Ah bah voilà, c'était par là qu'il fallait que je passe. Alors, trouver... Hein, attends. Ah, une hache. Oh putain. C'est bon ça. D'accord. Ok, ça y est, je suis sorti. Donc alors maintenant, découvrez où mènent les pistes. Alors, attends, je peux fabriquer. On va essayer de fabriquer une hache maintenant. Alors. Fabriquer. Hache. Ok. Parfait, j'ai une nouvelle hache. Allez, on y va. Donc on va suivre les pas. Five minutes later. Ok. Could have been either Joel or Mike. Whoever it was, I hope they're safe. But now, the bridge doesn't look very stable. I'll find a way. One step at a time. Oh, I'm hungry. The dead deer I saw, maybe there's still some meat left on it. I should eat something small first. Just to keep me going. D'accord. Retourner à la carcasse du cerf. Ouais, je l'avais vu. Ah, le bruitage, tout, franchement.
Avec le son de l'environnement, c'est vraiment sympa. Il y a des traces de sang là. J'ai froid. Oh putain. Bon, hop, le corbeau il est là-bas. Voilà. Ah ouais, d'accord. D'accord. Aïe aïe! Gentil. Faut que je retourne en arrière, t'es sérieux? Sortir de la grotte, merci. Putain. Et merde. Allez. Dégage. Dégage. Allez, dégage. No footprints. Where did he go? Si je cours, ça fait quoi? And now I'm soaked. I think I saw a drying line in the shelter. Je me dépêche aussi. On court. Bah les couilles. Am I really seeing those things? Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ah, j'avais oublié ça. Ah, il y a un truc là-bas. Merde, par où je dois passer? Allez! Hop.
J'ai vraiment besoin de manger quelque chose. Allez, à manger. Oh, it's good to be warm. So thirsty. Déjà? I thought my fingers would fall off. Ah ouais. OK, on utilise la viande. Joel, he probably crossed that bridge. I wasn't ready before, but now j'ai plus de bois, moi. On the other hand, Mike, I saw him. I can make a huge campfire. Try to get his attention. On va faire un feu de camp. I'll try to build the campfire. Maybe Mike or even Joel will see it and come find me. I'm cold. Je coupe du bois. Allez. Allez. Alors, on coupe, du bois. Il faut vraiment que je me réchauffe là. Hop, on ramasse. J'arrive, j'arrive. My teeth are chattering. Est-ce que je peux manger quelque chose? Warm at last. Hey, je suis blessé, moi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, franchement, le jeu il est bien, mais il est pas facile à comprendre. Il y a tellement de trucs. Donc là, construire le grand feu de camp. Vas-y, bah, tu sais quoi, en attendant. On va aller couper, on va couper pas mal de bois là, comme ça. Oh, il y a pas mal. Pas mal de ressources là. Voilà, il y a un bug, on voit plus l'âche. Bon, bah après voilà. Hein. Ah, faut que j'aille dormir. Ok, je vais dormir après. Je ramasse du bois. Comme ça, j'en ai assez pour tout à l'heure. Hop, grandes herbes. Je vais aller faire un petit dodo. Allez, c'est parti. Attends, attends, on va allumer. Pour cette nuit. Et on va aller faire dodo. B. Hop. Ah ouais, d'accord, on va mettre 6 heures de sommeil. C'est quoi ça?
D'accord. Alors, si survivez dans un jeu plus ouvert, construit, fabriqué, exporté, chercher, découvrir. Ah, c'est la fin? Donc voilà, c'est la fin de ce fameux Winter Survival, le prologue. Franchement, c'est un jeu qui m'a vraiment plu, mais je pense qu'il va être difficile à prendre en main. Mais voilà, bon, il y a quelques bugs, mais franchement, le jeu promet. N'hésitez pas, bien évidemment, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !